Avant mon arrivée en Europe, je n'avais jamais vu un avion de mes yeux. Tout là-haut, il tournoyait. Mais j'ai plus rien à miser, là. Abruti. L'avion. Bien sûr. Après tout, qu'est-ce que je risque, hein? Je vais te plumer, de toute façon. Que tu crois? T'as quoi à me montrer? Tu peux ramasser tes dents, Blackburn. Ce coup-ci, j'aurais dû t'avoir. Mais tu sais quoi, cet avion, je vais quand même le prendre. Mais qu'est-ce que tu... Putain, c'est quoi ça? T'as perdu, je t'ai battu! Ouais, je sais, mais le truc, Rackham, c'est que c'est vraiment un putain de bel engin et... Avec toi, t'es une sacrée raclure. Hé, hey, je t'ai battu dans les règles, t'as pigé? Je t'ai interdit de poser tes sales pattes dessus! Enfoiré de mes deux! T'as pas le droit de me faire ça, je t'ai battu! Je t'ai fait mordre la poussière! Je m'appelle Clyde Blackburn. Je suis pilote et plutôt gros joueur. Je suis Jones, Rackham! Tu sais pas qui t'as à faire, espèce de connard! T'as pas intérêt à toucher à mon avion, t'as compris? Quand on me demande quel est mon plus gros défaut, je réponds que... je ne suis pas quelqu'un de tout à fait honnête. Bienvenue à bord! Moi, c'est Wilson, mon nom, et tu dois être George Rackham! Ouais, c'est moi, Rackham, ton pilote. Fais décoller cette beauté. Donc t'es George Rackham, le fils du quatrième comte de Windsor? C'est ça. Lui-même, vieille branche. Le Bristol était aussi efficace qu'on le disait. Un vrai plaisir à piloter. Le soleil brillait. Tout aurait été parfait si j'avais été seul à bord. Hé, derrière! C'est une belle journée pour un pique-nique, tu ne trouves pas? D'accord. Tu vois cet avion devant? Il faut que tu le rattrapes. Ouais, ouais. Écoute, je connais un endroit où on pourrait se dégoter des petites françaises. Pourquoi tu me parles de filles? C'est un vol d'essai. Tu dois suivre le trajet que cet avion trace pour toi. D'accord. C'est toi le chef. Apparemment. Réagis aux manches. Reste tout près de lui. Ça va pas être trop dur pour toi? Approche-toi. Attention!
Allez, Rackham, suis-le! Il faut se rapprocher! D'accord! Reste à cette distance! Cramponne-toi, Wingnut! Derrière! C'est une belle journée pour un pique-nique, tu ne trouves pas? D'accord! Tu vois cet avion devant? Il faut que tu le rattrapes! Ouais, ouais! Écoute, je connais un endroit où on pourrait se dégoter des petites françaises. Pourquoi tu me parles de filles? C'est un vol d'essai! Tu dois suivre le trajet que cet avion trace pour toi! D'accord! C'est toi le chef! Apparemment! Maintenant, vois comme l'avion réagit aux manches. Reste tout près de lui. D'accord. Reste à cette distance. Cramponne-toi, Wingnut. Du gâteau. Voyons comment il se débrouille au combat. La sûreté est mise, au cas où t'aurais des idées tordues. Tu commences à me connaître? Tant mieux. Ne laisse pas nous semer. Le pistolet se comporte comme tous les avions. Réduire les gaz permet de tirer plus serré. Ouvre grand les gaz et reste sur lui. T'amuses bien! Et toi, tu t'amuses, Wingnut? C'est Wilson! Fais attention, regarde devant toi! C'est du pilotage! Même si t'as pas vraiment suivi le manuel! Alors jette ce maudit manuel et vis un peu! Où est-ce qu'il va maintenant? Laisse-le! Tu vois, c'est pas non cible! Vérification d'armement! Feu à volonté! Ça, je peux faire.
sacré coucou. Il reste des ballons. Approche-toi et tire. Entendu. Tu vois ces cibles sur le sol? Ouais, je les vois. Essaie de leur envoyer des roquettes pour te faire une idée du tir sur des cibles au sol. Question. Bien sûr. Pourquoi George Rackham, fils du 4e comte de Windsor, parle-t-il comme un Américain? J'attrape facilement les accents. Je parlerai probablement comme un Français une fois les Allemands battus. Je vois. Tu es quelqu'un de très méfiant, Wilson. On ne te l'a jamais dit? Nom de Dieu! Les moches, on fait quoi? À ton avis? On les envoie dans le décor. Apprécier de se faire cravacher. Répare ce que tu pourras depuis l'avant.
Je les vois. Accroche-toi à ton petit déjeuner. Ça me plaît pas beaucoup, ça. C'est comme ça qu'on a découvert accidentellement où les Allemands composaient leurs munitions pour la moitié du front ouest. Et les photos de Wilson allaient aider le QG à préparer un assaut d'ampleur. Avec juste un léger souci. Ça, j'en suis pas si sûr. C'est bon, je te dis. On a fait un super coup. Ça vaut bien une médaille. On n'était pas censé survoler cette zone. Quand le commandant verra ces photos, il sera bien content. C'était un coup de maître. Et on peut le refaire. On va passer un marché. Si tu veux que je ferme ma gueule, alors tu dois me faire la promesse. Que tu me ramèneras en un seul morceau. Ouais, compte sur moi. Jure-le. Je veux ta parole. D'accord, c'est promis. Toi, tu restes ici. Et tiens-toi tranquille, bon Dieu. Entrez. Bon, je l'aimais bien, ce type. Mais il était un peu naïf. Monsieur, je pense que ceci vaut le coup d'œil. Bonté divine, tu veux bien avoir un sacré pilote. C'est sûr, un sacré pilote. Nous avons presque aussitôt repris l'air. Notre mission consistait à ouvrir la voie aux bombardiers, pour qu'ils puissent détruire cette forteresse. Avant tout, il faudrait détruire ce barrage de dirigeables. Bon sang. Je plaignais presque les observateurs Bosch. Ensuite, il faudrait s'occuper des camions de DCA. L'assaut battait déjà son plein à notre arrivée. Il allait falloir s'occuper de toutes ses défenses, puis escorter nos bombardiers jusqu'à la cible, quand ils approcheraient.
Une mission difficile. Mais une victoire ici changerait le cours de la guerre. D'après les chefs. Une situation qui n'enchantait pas Wilson. Maintenant qu'on est, en action ! Ça a vraiment l'air dangereux ! Fais-moi confiance ! Ouais, et boucle quand même ta ceinture ! Là-bas, c'est le dirigeable ! Il faut ouvrir la voie à nos bombardiers ! C'est facile ! Surveille mes arrières ! Prochaine vague. Des canons anti-aériens prennent position en bas. Ces camions ne vont faire qu'une bouchée de nos bombardiers.
L'avion était détruit. Il s'était écrasé dans le No Man's Land à un peu moins d'un kilomètre de l'endroit où j'avais été abattu. Wilson, le pauvre, y était resté. Triste pour lui, mais j'avais des problèmes plus urgents. Je dois dire que j'avais l'habitude de me déplacer discrètement. Les bars et leurs portes de derrière, les fenêtres de domicile conjugaux. Pas besoin de rentrer dans les détails. Après avoir éliminé ces Allemands, j'ai tiré profit de mes talents et je suis parti vers l'ouest. Aussi discret qu'un chat de gouttière. Entre les lignes britanniques et moi, il y avait des tranchées allemandes, des canons allemands. Ah, et la moitié de la population de Berlin qui cherchait à nous faire la peau. Mon jour de chance. Les Britanniques devaient prendre le thé avec des scones au lieu de pilonner les Allemands. Mais il fallait que je franchisse les lignes avant que ces canons ne se remettent à tonner. Gebt immer mir die Scheißarbeit.
Drecksarbeit. Rede mit einem, den dein Geschwätz interessiert. Ich kann's nämlich nicht mehr hören. Ces tranchées étaient remplies de soldats d'élite du Kaiser. Avec un peu de chance, ils s'attendraient à des ennuis venant d'en face. Avec de la chance. Du siehst scheiße aus. Scheißarbeit. Nein. Gott sei Dank. Das Oberkommando spielt das Thema runter. Aber ich habe einen Freund, der hauptsächlich arbeitet. Und ich sage, es gibt Platz zu bedenken, weil einer unserer Frontabschnitte die Flügel überwältigt. Thank you.
La dizaine de mitrailleuses que j'avais derrière moi m'incitait à me faire tout. Le No Man's Land était un labyrinthe de barbelés. De cadavres et des cons. Mais j'ai tenu le cap coûte que coûte. Est-ce qu'il reste quelque chose d'utile dans l'épave ? Tout de suite. Je peux plus bouger. Saleté. Je suis désolé. T'as promis de me ramener en un seul morceau. Chut, parle moins fort. Et nos médailles, hein? T'as dit qu'on deviendrait des héros. Je suis pas un héros. Qui m'a donné ta parole? Qui me l'a juré? Alors soit t'es un homme de parole et tu vas m'aider. Soit t'es un connard, le seul menteur. Tu vas me regarder crever sans rien faire! Vas-y, décide-toi! C'est l'heure de jouer carte sur table, Blackburn! T'es pas George Rackham, pas vrai? Le fils du comte de Windsor, mon œil! Tu croyais que j'étais con à ce point-là? Allez, on se tire d'ici. Il perdait beaucoup de sang. Il ne restait pas beaucoup de temps pour le ramener en vie. Dieu est tout puissant. Regarde, un raid allemand. Il va vers nos lignes. Les Allemands n'ont pas l'habitude d'abandonner une proie. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Éliminez ces projecteurs. Les mitrailleuses sont braquées dessus. Et surtout... Chez nous. On a réussi. Wilson m'a traité de bon à rien de menteur, et d'autres noms d'oiseaux. Si je l'ai ramené, c'est parce qu'il a probablement raison. Et le fait qu'il ait raison me débecte au plus haut point. Il l'a porté à travers le No Man's Land ? Ce type est un vrai héros ! Il n'a strictement rien d'un héros. C'est un tricheur, un voleur et un menteur. Et il devra répondre de ses crimes. Eh oui, Blackburn.
Alors, on t'envoie te mettre au vert ? Je vais témoigner pour toi, tu sais, au conseil de guerre. Ça pourra peut-être t'aider. J'en doute, mais... merci. Il me faut un mitrailleur ! Wilson, moi ! Je veux aider ! Rackham, je peux le faire ! T'as rien à foutre dans les airs ! Wilson ! Si je dois crever, je veux que ce soit là-haut. Amène-toi ! On part tous les deux ! T'es sûr que tu veux pas passer ton tour ? Pas de question ! Ouais, putain de médaille ! Bon, je suis prêt ! T'es avec moi ? Bien sûr que je suis avec toi ! Les chasseurs ! Je vais couvrir nos arrières ! Donne-moi !
aujourd'hui. Oh non, je sens arriver l'idée tordue. Tu m'as bien dit que tu voulais une médaille, pas vrai? Ce maudit dirigeable va bientôt survoler Londres. Une cible, mais il en reste. Accroche-toi. Je creverai ici. Oh, toi et ta grande gueule, Blackburn. Ça va aller ? Ouais, ça... Il faut avoir le canon anti-aérien ! D'accord ! Je surveille tes arrières ! D'accord ! Faut grimper là-haut. Regarde pas en bas. D'accord. D'accord. Mon Dieu, regarde pas en bas. Il faut avoir le canon anti-aérien. C'est de la folie. Ce canon est en train de faire des ravages chez nos gars. Il faut s'en emparer. Je vois pas bien. Droit devant. Wouhou. Attention. Il nous tire dessus de tous les côtés. C'est lui! Merde! Tout va bien! C'est bon, ça va! Trouve le moyen de remonter! Je vais du côté du canon de flak! D'accord, je m'en occupe! Bon sang! Qui sont à bord cette moto, je vais t'entendre. Ah,
vite. Allez les boss, venez un peu. Je m'appelle Clyde Blackburn. Je suis un pilote, un joueur et un type réglo. Je suis un type réglo. Je suis un type réglo. Ouais, toi aussi, espèce de balèze. Tu vas voir. Celle d'un pur égoïste qui a risqué sa peau pour sauver quelqu'un d'autre, et qui a trouvé le salut par la même occasion. Mais en temps de guerre, les faits se mélangent un peu et vous entendrez sûrement d'autres versions. Un pilote qui a volé un avion, qui a buté son pote, et qui a menti, triché et massacré sur la moitié du front occidental. Tout ça pour échapper au conseil de guerre dans le chaos d'un raid aérien. Mais n'écoute pas toutes ces rumeurs. Ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Si c'était des bobards, je te raconterais pas tout ça. Pas vrai ?